Je me suis installé dans mon studio que j'avais, je n'oublie jamais, que j'avais commencé précisément le 14 septembre 1975. Donc c'était le commencement. Et au fait, entre mes commerciales photographiques, et moi-même. C'est l'histoire, comme tu t'es quitté au Nigeria très jeune, après la guerre Biafra en 1900, la guerre Biafra qui était finie en 1970. Et encore, comme je vivais toujours, j'étais élevé par ma grand-mère. Donc, quand moi, j'étais quitté, on était très attachés entre moi et ma grand-mère. Au fait, ma grand-mère ne voulait pas que mon oncle m'amène. Et comme j'étais venu, comme j'étais devenu photographe, j'ai utilisé cette opportunité de me faire filmer normalement, à renvoyer à ma grand-mère au Nigeria pour qu'elle sache que rien ne m'est arrivé, je suis en bonne santé et puis je vis très bien aussi. Et le travail que je fais comme la photographie que j'adorais, m'a laissé le temps de vivre normalement. Donc, je me fais filmer, envoyer à ma grand-mère. Toutes les photos que je fais, il n'y a pas de blanc, ni jaune, ni rouge. Donc, je conserve la couleur noire comme ma identité. Et si vous voyez Malcolm X ou bien Martin Luther King, c'est pas moi, ce sont eux, ce sont des activistes. Moi, je ne suis qu'un photographe et je l'incarne. Donc, je suis à l'intérieur d'eux, de continuer à lutter ce qu'ils avaient commencé à faire et jusqu'aujourd'hui qu'ils ne sont plus en vie et qui nous a laissé aussi de continuer. Jusqu'au moment où la ségrégation, l'esclavage sera fini, c'est-à-dire au moment où le noir et le blanc auront la même valeur. Moi, je ne poussais pas, je ne fais pas la politique, mais je cherche la paix. Je veux que qu'on soit égaux, le noir et blanc. Moi, je n'ai que la voix de 100 voix. Et comme je deviens artiste, et que vous m'interviewez de droite à gauche, alors je dois parler ce que j'ai à mon cœur à travers de ma photographie.